Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui avec cette belle journée. Pour aujourd'hui, vous proposez de découvrir ensemble le KSG-12. Le KSG-12, c'est un fusil à pompe de la marque Keltec. Il a été créé en 2011 par Georges Keldrin, un fabricant d'armes d'origine suédoise. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un fusil à pompe compact et d'un système bullpup. Peut-être que certains d'entre vous se demandent ce que veut dire bullpup. Tout simplement, c'est une architecture spéciale. D'autres armes sont pourvues de ce système, notamment le FAMAS ou l'AUG de Chester. Tout simplement, la chambre va se situer au-dessus de la poignée, voire avant. Ça va permettre, pour une même longueur d'arme, d'avoir un canon plus long. Et l'éjection se fait par l'arrière. L'avantage d'avoir une éjection à l'arrière, c'est tout simplement qu'on va pouvoir s'en servir de manière complètement ambidextre. L'éjection ne gênera en rien la prise en main, qu'elle soit droitière ou gauchère. Une autre particularité de cette arme, en fait, c'est qu'il y a deux tubes de logement de cartouches, c'est-à-dire deux chargeurs. Deux magasins, un ici et un ici. Et ils peuvent contenir chacun 7 cartouches. Cette innovation nous est proposée pour pouvoir alterner deux types de munitions. En effet, on peut voir qu'ici, il y a un sélecteur. Ce sélecteur a trois positions. Une position là, une position médiane et une position ici. Alors théoriquement, on nous dit qu'on peut mettre par exemple des munitions sublétales d'un côté et des munitions létales de l'autre. Ou alors, si on veut travailler sur la portée, un tube rempli de chevrotine et un tube rempli de balles. Après, tout ça reste de la théorique et à l'appréciation de chacun. Donc peut-être que vous avez déjà entendu parler du KSG, c'est une arme emblématique. On peut la retrouver dans un film qui s'appelle John Wick. L'idée aujourd'hui, c'est de tirer avec pour vous faire voir ce que ça donne. Donc, 14 cartouches, le KSG et c'est parti. La fenêtre d'éjection se trouve dirigée par le bas. Donc pour vous montrer un petit peu le mécanisme de fonctionnement, donc on voit ici les deux chargeurs qui correspondent aux deux tubes et le sélecteur ici en position centrale, et on va voir que on peut le mettre de ce côté-ci ou de ce côté-ci, et il va tout simplement venir bloquer les cartouches. En fait, le tube qui sera bloqué libérera les autres cartouches, chose à laquelle il faudra
prêter attention, tout simplement que quand je vais attraper mon arme comme ça, je vois que mon poignet va avoir tendance à venir toucher ce sélecteur. D'accord? Donc pour ceux qui auraient l'idée de l'utiliser avec des munitions sublétales et des munitions létales, je trouve que c'est quelque chose d'assez risqué. Parce qu'en fait, voilà, juste en manipulant l'arme, en changeant de cible ou quoi que ce soit, on va pouvoir actionner le sélecteur. Autre petit point de détail, mais qui a son importance, si votre sélecteur est sur la position centrale, aucun coup ne partira, aucune munition ne sera engagée, donc vous pourrez pas faire feu. On peut bien voir ici les différents points d'entrée des munitions et le sélecteur. On peut voir que l'arme est parfaitement bidextre, avec ce bouton ici qui va être de part et d'autre. Selon moi, pour ce qui est du tir sportif, le KSG reste une arme ludique. Sa forte capacité, son faible encombrement et sa maniabilité en font le compagnon idéal pour aller tirer sur des cibles ou des gongs. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit like, ce sera notre récompense. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Restez sûrs, habiles et adroits.